habitué à boire de l'eau dans le même godet avec l'autre monde, ou sinon utiliser même qui est pour manger, eh bien, on risque d'attraper une bactérie qui est le H. pylori qui a débouché sur plusieurs maladies graves. Mais attention, ce n'est pas seulement servir dans le même godet à qui est qui a la cause d'attraper H. pylori. Posez ça, quittez m'expliquer. Tout d'abord, qui est H. pylori lui-même? Moi, H. pylori, c'est l'abréviation d'un scientifique en bactérie qui est Helicobacter pylori. Il est établi dans l'estomac et c'est là qu'il décide de faire toutes les autres. D'après sa médecin interniste Samuel Faldo, expliqué à Ibo Post, H. pylori, c'est une infection qui est attrapée, soit dans le manger qui n'est pas cuit dans de bonnes conditions d'hygiène, soit dans l'échange de salive pendant des mois, par exemple, ou bien dans le contact avec la toilette. Oh! Comment toilette là? Ah oui. Si on moun ki gen H. pylori pa bien lavé men lèl sout nan toilette et puis pa mal l'almanye manje ou soit tout l'autre bagaille qui pral en contact avec bouchou, eh ben ou risque infecté. M'ap di plis sou sa pi devan. Avant d'al pi loin, m'invite au like vidéo ça, tag yon zanmou nan commentaire et puis partagez-le pour plis moun ka sensibiliser sou bactérie ça. An avanse. Docteur Faldo fait konnen H. pylori pas une infection qui mortelle, mais il précise s'il va jamais traité, il est capable de déboucher sur maladie mortelle tant que cancer estomac. Interniste l'a dit tout, H. pylori est capable de causer un paquet d'autres complications tant que ulcère estomac, gastrite pour ne citer ça seulement. Kounya, on regarde quelques situations qui ca la cause mon draper H. pylori. J'en te dit l'alea, yon moun ka bay ou soit attraper H. pylori nan feti bo pointi ou bien nan pran langue. Parce que dans l'échange salivio, si yon nan moun yo te gen infection, li ka tout bay l'autre la li. Ah oui. C'est ça qui fait personnel médical kap soigne patient qui nan traitement contre H. pylori, yo kon tout mande patient sa fait traitement en même temps pour patnel li. Sinon, c'est laver men si a te. Qui donc la société, nous ka tout comprendre, li pa yon bon l'idée di tout pour yon moun a bo ou sinon pran langue ak moun li pa konnen ta santé. Attendez. On continue avec quelques autres causes. H. pylori a ka transmettre dans manger ak même qui est dans boire de l'eau dans même godet ou bien n'importe l'autre bagaille qui ka mette bouchou en contact avec salive yon moun qui contaminé avec bactérie. C'est ça et spécialiste médical yo rele transmission oro-orale. L'autre bac encore qui la cause c'est mauvaise hygiène. J'en ai dit tout à l'heure, yon moun par exemple qui pa reme lave men lèl sot nan toilette, li risque si ma H. pylori a s'il te gen bactérie dans sang. Dans le langage médical français, il y aurait sa transmission féco-orale. Qui joue ka suspect si vous avez H. pylori? Qui sa symptôme yon même? Écoutez bien. Toujours d'après sa interniste Faldo expliqué à Ibo Post, les gens qui ont infection ça, li ka développé symptômes tant qu'on envie vomi, sa français yon rele nausea, li ka gen vomissement, diarrhée, ventre fait mal, en bas qui fait mal, glossy qui a peur de monter dans la bouche, mauvaise haleine, sa français yon rele halitose la, et la trier. Pour nous arriver à comprendre qui j'en moun qui trape H. pylori a vive expérience ça, a Ibo Post te parler avec Géraldine Malette, yon patient qui dit li traité heureusement. D'après sa Malette confie nous, même s'il pas de gen doule chaque jour, li te quand même gen l'estomac fait mal. En plus, il dit qu'il était déstabilisé moralement, il était apprendre des choses qu'il n'avait pas mangé. Mais après, il dit qu'il était senti la lèse. Effectivement, les gens sous traitement contre H. pylori, ils ont mangé docteur qui a mangé l'éviter tant qu'ils mangent qui ont trop épices ou bien viande qui ont trop graisse. Puis devant, on a besoin plus sur ça. Bon, nous avons quelques symptômes qui permettent aussi de suspecter H. pylori. Mais mes amis, les poumons sont asymptomatiques. Ça veut dire que les gens ont l'ensemble. Mais pas rien comme symptôme qui pour mettre le zoomel. C'est ça qui fait et spécialiste médical yo toujours conseillé moun fait check-up général pour vérifier si tout bagay OK. Qui j'en pour faire test H. pylori a même. Pour faire test là, ka aller dans n'importe centre santé qui gen laboratoire et qui en mezi pour faire ça. Lè ou rive dans laboratoire médical là, laboratoire capable faire un test sanguin ou bien un test sel pour. Lè di test sel, c'est un test qu'a fait à partir de toilette. L'autre type de test que vous faites pour tout, c'est ça qui est le test respiratoire à l'urée marquée au carbone 13. Mais en Haïti, d'après sa interniste Faldo, Ibo Post, c'est examen sang et test celle-là qui puisse utiliser. Chaque qui est un monde qui a fait test H. pylori. Les spécialistes médicaux disent pas qu'il y a un spécifique pour faire test là. Des symptômes qui font suspecter l'infection là ou qu'elle fait test là.
Et si vous avez déjà, vous avez besoin de faire test là après traitement pour vérifier si vous bien traité. Pour test après traitement, laboratoire est plus priorisé test celle-là au lieu de test sang. Parce que d'après interniste, les traitements fait fini, anticorps toujours dans le sang. Et ça compte prendre entre 1 à 3 mois pour test sang négatif. C'est peut-être ça, test celle-là, c'est le plus bon examen qui permet de vérifier si le traitement est efficace ou pas. L'autre chose qui est important, même si vous avez 15 symptômes pylori ou qu'a décidé de faire dépistage. Surtout si vous êtes un pays comme Haïti, côté un pile monde souffre de maladie ça. En parlant de Haïti, il y a des recherches qui montrent dans qui point H. pylori c'est une épidémie qui a malmené la population en bas. La catégorie de jeunes qui plus affecté, c'est les gens qui n'ont pas assez de moyens pour vivre dans un environnement qui offre de bonnes conditions d'hygiène. Et il y a des études qui révèlent que c'est presque moitié de l'humanité H. pylori infecté. Mais les bactéries plus présentes dans les pays qui sont plus pauvres à cause de promiscuité, c'est une condition qui favorise la propagation. Lorsqu'on parle de promiscuité, ça veut dire trois personnes qui sont du même côté. Les gens qui vivent pile sous pile, par exemple dans un camp ou bien dans un abri, côté tout le monde a la toilette même côté et de l'eau pour servir à limiter. C'est une réalité qui risque de déboucher sur gros problèmes de santé publique dans le pays. L'on a considéré étude OMS réalisée qui révèle par exemple 92% des gens qui souffrent de maladies gastriques. C'est H. pylori qui la cause. Qui j'ai un monde qui a infection ça qu'à traiter. Tout d'abord, c'est l'hôpital pour aller pour faire test et puis les comme ça, si vous gagnez un spécialiste médical qui là pour ça à mettre sous traitement. Et spécialiste fait connait traitement H. pylori a pas compliqué. Mais elle va simple non plus. Il pas compliqué parce qu'en général c'est avec antibiotiques traitement en fait et médicaments au pas vendre cher. Il pas simple parce que faut conseiller respecter à la lettre et c'est pour ça nous devons faire attention. Attention à une série de médicaments comme aspirine, diclofenac, ibuprofène ou bien n'importe l'autre médicament qui fait partie des groupes anti-inflammatoires non stéroïdiens qui ca augmenter risque ulcère estomac la caille quelque monde qui donc pas essayer faire traitement pour corps ni tout pas prendre traitement dans l'autre monde sous prétexte qu'il était gagné déjà et il est arrivé guéril quand tout le monde pas même c'est docteur qui vous met sous traitement pas plaider de prendre antibiotique pour compte. Sinon, ça complique la situation. L'organisme qui vient habituer avec les médicaments et puis il va faire effet. Combien de temps un traitement H. pylori a duré? Normalement, d'après sa interniste Faldodine, c'est un traitement qui a duré entre 7 à 14 jours. Ça va dépendre des médicaments et médecins en bail. Il doit être fait dans pile discipline, sinon il a échoué et il va obligé de recommencer. L'important pour noter, le traitement n'a pas toujours réussi à 100% kayo, même si bien suivre l'indication du docteur. C'est ça qui fait les traitements finis, yo doit faire un test contrôle pour. En pile fois, docteur toujours recommandé même si traitement a réussi pour toujours continuer faire check-up parce qu'on cas infecté pire red encore. Oui, son pon gongon. Mais la santé plus important. Qui sont pas doit faire pendant traitement. Li important pour pas boire alcool ak boisson gazeuse. Une façon pour pas irriter estomac. Pas boire boisson qui trop acide tant que jus orange, cerise, tamarin, chadec ak jus grenadier qui trop concentré. Évitez manger qui gagne trop épices ou bien viande qui gagne trop graisse ak tout l'autre aliment qui capable attaquer paroi estomac. Toujours assurer aux conditions hygiéniques respectées. En plus de ça, définir un bon lait pour manger. Yon lait qui permet de gagner assez de temps pour digestion bien faite. Même si frita la oblige font camper sous lui. Ou pas bien mourir pour ça. Jean de Dilbiroa, malade te suivre traitement contre H. pylori. En tant que patient qui te réussi traitement par là, li conseiller soit prendre une bactéria, c'est accepter le Jean li a même sou pas de parer pour ça. Adopter une routine alimentaire, prendre soin de tout et puis tant traitement fini, pendant continuer suivre recommandation médecin ba ou. Pour finir mes amis, n'a pas encouragé ou. Même j'ai un spécialiste recommandé ça. Toujours songer laver main lorsque dans toilette. Pas mettre rien dans bouche sans main on va laver. Et puis pour plus efficace, évitez manger ça manger pendant assurer les bien cuite. Les cuite dans bonne condition d'hygiène. Surtout pour les légumes. Kounya, celle bagaille qui rete pour faire, c'est like vidéo ça, partager, taguer un ami, quitter une question ou soit commenter sur sujet. Dites-nous qui si vous souhaitez aborder dans la prochaine vidéo et puis pas oublier abonner à Kaibo Post pour qu'à toujours voir vidéo yo les sorties.